Salut, aujourd'hui je vais vous apprendre à jouer le riff du pont de Trap Under Ice de Metallica, issu de l'album Raise the Lightning. Allez, allons-y! Nous allons commencer par des mi-avides en palm muting, donc nous allons avoir bas, bas, haut, bas, suivi d'un sol à l'octave, donc un sol 5, avec le premier doigt sur la cinquième case de la corde de ré et le troisième doigt sur la septième case de la corde de sol, que je tape une fois, et une deuxième fois je coupe. Suivi de deux mi graves en palm muting. Ensuite, avec le deuxième doigt, troisième case de la corde de la. Premier doigt, deuxième case de la corde de la. Petit doigt, alors là c'est en palm muting, c'est de la. Donc petit doigt sur la cinquième case de la corde demi-grave. Quatrième case, corde demi-grave avec le troisième doigt. Je récupère ensuite avec le deuxième doigt la troisième case de la corde de ré. Deuxième case. Troisième case, corde de la. Deuxième case, corde de la. Et ensuite, je refais bas, bas, haut, bas. Je vais ensuite chercher un mi 5. Le mi 5, ce sera premier doigt sur la septième case de la corde de la. Troisième doigt sur la neuvième case de la corde de ré. Et petit doigt sur la neuvième case de la corde de sol. Je tape ces trois notes. Mi en palm muting. Et je vais ensuite sur un ré 5. Le ré 5, premier doigt sur la cinquième case de la corde de la. Troisième doigt sur la septième case de la corde de ré. Et petit doigt sur la septième case de la corde de sol. Comme ceci. Je vous refais tout ça. Suivi de si bémol sur la corde demi-grave. Donc le si bémol, c'est la sixième case de la corde demi-grave que moi je prends avec le deuxième doigt. Là, vous pouvez faire un petit peu comme vous voulez, mais étant donné qu'on était sur un ré, le deuxième doigt est plus indiqué pour arriver sur cette sixième case. Et là, on va faire le rythme du cheval au galop, donc croche, double, croche, double, croche, double, croche, etc. Donc pendant une mesure, donc quatre fois. Comme ceci. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura encouragé à jouer ce riff que je trouve très joli. Vous pouvez bien sûr vous abonner, vous pouvez liker si ça vous a plu. Vous pouvez me laisser un commentaire, ça m'encourage tout le temps. Ça me fait toujours très plaisir. Allez, je vous dis à très bientôt !